Bonjour, donc je m'appelle Lucille, je suis développeuse front-end dans l'équipe mobile à Monkey Factory. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je travaille dans l'entreprise parce que j'ai été embauchée suite à mon contrat d'alternance avec eux. Dans l'équipe mobile, on développe la partie application, donc toutes les applications que propose l'entreprise. Donc au niveau des technologies, on utilise les frameworks Angular et Ionic avec du TypeScript. Et pour tout ce qui est partie gestion de projet, on va utiliser GitLab pour ce qui est répartition des tâches, mais aussi déploiement continu et intégration continue. Au niveau des développeurs, le plus gros challenge technique, ça va être de développer des fonctionnalités rapidement, mais tout en gardant une bonne qualité de code pour pouvoir maintenir facilement les applications par la suite. Et sinon, un challenge plus global, ça va être de s'adapter en fait aux différents services qui sont proposés par le territoire, donc des services de mobilité, pour proposer aux utilisateurs un parcours efficace et pratique sur l'application. Au niveau du planning, on fonctionne sous forme de sprint de 2 semaines. Donc chaque semaine, le lead développeur, il va faire un point avec les chefs de projet et les responsables des projets en cours et pour parler des différentes pistes d'amélioration, des blocages et de l'avancement tout simplement du développement. Et à la suite de ces points, il va répartir les tâches entre les différents développeurs de notre équipe. Monkey Factory, c'est une entreprise à taille humaine qui a une dynamique très jeune et innovante. Donc pour les développeurs, c'est l'opportunité de monter en compétences sur des technos nouvelles, des technos innovantes et qui sont très utilisées sur le marché actuel. Et le point le plus important pour moi pour travailler, c'est l'ambiance au sein des équipes et la convivialité qui donne envie d'aller travailler tout simplement le matin.